Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans ce 12e épisode de Zelda The Minish Cap. La dernière fois, nous avions récupéré les bottes de Pégase et on en avait profité pour faire encore pas mal d'assemblages, mais aussi révéler quelques secrets grâce à nos bottes, hein, pour être Minish, tout simplement. Donc, maintenant, on peut traverser ces bottes. Eh oui. Et il va y avoir des choses à faire dans ce marais, hein. Vous vous en doutez bien. Donc on est parti. Je regarde au niveau la carte et des coffres, tout ça. Si on est ok. On a l'air d'être ok, hein, normalement. Ici on est allé. Ici on avait fait ce qu'il faut. Ouais, moi je regarde partout, hein. Je regarde partout. Ok. Ok, ici, ok aussi, ici, ok, là on peut pas encore y aller, il y avait aussi, ici, ok, il y avait aussi les tingles, on avait fait un assemblage avec un tingle mais pas plus, il y avait aussi le Minish avec son nectar là, où on lui a apporté du lait long qu'on avait fait dans le dernier épisode. Normalement, son nectar sera prêt pour plus tard, hein, j'ai envie de dire. Sûrement quand... Oh putain, les serpents comme ça, mon dieu. Sûrement quand on aura récupéré le prochain élément, hein, je suppose. Et ici, on avait récupéré. Et il y avait aussi des Minish montagnards où on n'avait pas pu faire des assemblages et quelques... genre normaux, citadins, où on pouvait pas encore faire d'assemblage. Bon, alors là, ici, c'est pas un marais, attention, on peut pas y aller. Hein. Allez, maintenant, on se concentre sur notre objectif. Ok. Alors, hop. Oh, un petit fragment du bonheur. Je dis pas non parce qu'on en a vraiment besoin des verres. Ouais, on en a besoin. On en a vraiment besoin parce qu'on est en manque. Hein. On en a vraiment pas beaucoup. Mais non. Putain, il est mort juste avec ça, quoi. C'est assez marrant. On va aller ici. Vous allez voir, ça c'est spécial, hein, ces marais de Tabanta. Mais en tout cas, changement d'ambiance. Hein. Et là, on est carrément dans des ruines. Hop. Ok, un petit rubis qu'on va récupérer, bien sûr. Ok. Bon, il n'y a rien. Oh. Oh. Oh, aïe, ce trésor a son gardien. Il n'a pas l'air commode en plus. Alors, c'est un espèce de Dark Nuts. Ils sont assez forts, hein. Ils sont assez forts, il faut les avoir de côté, tout simplement. On peut les avoir aussi en courant comme ça. Mais voilà, il était assez simple. Et on obtient un fragment du bonheur jaune. Ce qui n'est pas commun. Ce qui n'est pas commun, je dois bien vous l'admettre. Et ils vont servir, hein, ils vont servir. Ça c'est sûr. Bon, je coupe à nouveau l'herbe, hein, on ne sait jamais. C'est important. Ok, bon. On va aller par là. Ok. Donc si je vais par là, en fait, ça rejoint... Oh, un fragment du bonheur, mais merci. J'en demande pas tant, hein, et il me donne. Du coup... Ok. On est pas mal, hein, on est pas mal. Oh là, il y a un petit entrée Minish. Hein. Cette statue me fait froid dans le dos. Elle nous regarde d'un drôle d'œil. Mmh.
On verra plus tard hein, pour ça. Et nous, on va aller un peu plus au nord. Du coup. Hop. On peut descendre ici, mais on peut continuer à droite. C'est ce qu'on va faire. Mais à droite, il n'a l'air de rien y avoir et on peut pas passer en fait. Parce qu'on ne sait pas comment le battre. Enfin, moi je sais, mais on va dire qu'on ne sait pas. Je dis ça pour vous. Je dis ça pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu. Qui est quand même sous-estimé. Hein. Il est fort sympathique ce jeu. Oh la vache! C'est la fête au fragment du bonheur là. Non mais vous avez vu ça? Ah ouais, non mais c'est très très bien. Allez, encore, donnez-moi... Mais oui, donnez-moi encore. Encore, allez. Oh putain. Ah mais la vache. Ah ouais, non mais c'est la fête. On peut aller ici, hein. D'ailleurs. Ouais, on peut aller ici. Et là, il y a plusieurs entrées, hein, mine de rien. Ah ouais, non mais regardez-moi ça. Là, on est pas mal, hein. Et on va aller ici d'ailleurs. Alors, vous avez eu une entrée de mini-niche ici, mais on ne peut pas y aller malheureusement. Vous le saurez plus tard comment on ira. Alors ici on retrouve ces espèces de nénuphars. Hop, on fait ceci. Pour se déplacer. Tout simplement. Ouais, et ce jeu, je compte bien le faire au plus près du 100%. Hein. Et ici... Ah, oh là 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 là. Ce sont des ennemis pas très commodes. Allez, hop. Et c'est bon, on a ce qu'il faut. Et ici, on va récupérer... l'arc. Eh oui. On pouvait pas forcément s'y attendre, quoique un tout petit peu. Enfin, pas ce genre d'endroit en fait. Le trésor ici, pas ici en fait. Ok, on aurait pu deviner qu'on aurait l'arc au bout d'un moment, mais pas vraiment ici dans un endroit paumé quoi. Mais en tout cas, on a l'arc. Et ces statues maintenant, vous vous doutez bien ce qu'on pourra en faire avec. Des choses pas très catholiques. Ok, je me calme. Mais du coup, on a l'arc. Et ouais, c'est ce qui compte. Hop. On va... Bon, on va remettre les bottes de Pégase. Allez, petit fragment du bonheur. Dommage. On pourrait aller ici, hein, mais on peut pas. Il y a quand même plusieurs endroits mini-niches, hein, mine de rien, vous remarquez. Ok, 5 flèches. Très très bien. On n'est pas allé ici, on va y aller. Une peste mojo. C'est pas commun. Ça faisait longtemps. Hop, le petit bouclier. Ah, et on peut faire un assemblage avec. 30 flèches pour 30 rubis, jamais de la vie. C'est d'accord. Et on a ce qu'il faut. Très très bien. Et... Ah! Ça, j'apprécie beaucoup. Les ronces qui sont parties. Ah, parfait. Eh bah, c'est très bien, tu m'as bien aidé. Tu m'as ôté une épine du pied. Allez, moi, je veux encore des... fragments du bonheur. J'allais dire. C'est trop bien. Quand même trop bien la vie. En fait, tu penses à ces fragments et tu les as... Ça, c'est incroyable quand même. Allez, encore. Ok. On a un arc. Ce qui est très bien. Et voilà. Et du coup, il se déplace comme ça. Et voilà, on récupère quelques flèches. Et du coup, on peut aller par là, comme ça. Alors, à droite, vous avez vu, il y a quelque chose, mais on peut pas y aller, vu qu'on sait pas forcément nager comme il faut, hein.
Ok. Le petit raccourci qui fait plaise. Et on va aller ici. Et vous allez voir ici, il y a tout simplement un fragment du bonheur, mais jaune encore une fois. On se demande pourquoi hein, quand même. C'est assez bizarre. Mais bon, vous allez bientôt savoir, je pense. Alors, ça, ces entrées comme ça, c'est pas la première fois que vous les voyez. Retenez-les aussi, hein. Retenez-les aussi. On va aller par là. Parce qu'ici, en fait, eh oui. Hop. Il y avait lui. Vous vous rappelez sûrement. Hop. Il en faut 3. On récupère l'arc, enfin des flèches, je veux dire. Un fragment du bonheur, s'il veut. Allez, encore un fragment. Tu peux le faire. Non. Mais un fragment du bonheur bleu. Vous voyez ces rubis rouges? C'est tellement fourbe. Mais au moins on récupère pas mal de rubis. Ça, c'est ce qui compte. Alors, on va retomber ici. On aurait pu retomber à gauche, mais j'ai pas forcément envie tout de suite. Bon, voyons voir hein, au niveau des fragments. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout quand même. Allez, un petit fragment du bonheur. Mais bon, on s'en fout en vrai. Allez, ok, bon. On va retourner par là. Et on va aller à gauche. Prendre les bottes de... Quoique non. Non, non, non. On va aller ici. Parce qu'on doit aller ici, justement. Hop. Et de 3. Voilà. Merci. Bonjour, toi. Allez, un petit fragment du bonheur, ici. C'est incroyable quand même, hein. On en a énormément en ce moment. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est le retour de la chance qu'on n'avait pas avant. Mais c'est très très bien comme ça. Ok. Voilà. Ok, là. On arrive vers le bas. Il y a une tombe ici. Il y a une tombe. On va y aller à cette tombe. Eh oui. Et c'est un dojo secret. Avec un quart de cœur. Et on a un cœur complet. Malgré ce corps vieillissant, je reste le meilleur épéiste d'Hyrule. Je m'appelle Tenshin. Premier du nom. L'entraînement dans mon dojo est incomparablement supérieur aux autres. Mais apparemment il est encore trop tôt pour que tu suives mon entraînement. Reviens me voir lorsque tu auras rassemblé 7 précis d'escrimes. On en a 4. C'est pas assez. Eh ouais. On en a pas assez malheureusement. On en a pas assez. Bon. Bon, on va faire 100 hein, pour l'instant. Ah. On va aller ici. On débloque un raccourci. Et que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. Eh oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un autre symbole, mais on en a trouvé un. Ça va servir ça aussi, forcément. Vous verrez. Vous verrez tout simplement. Ok. En fait, dans cet épisode, j'aimerais bien arriver jusqu'au donjon au moins. Ça va être assez long. Je pense. On en est qu'à un petit quart d'heure, donc ça va. Franchement, ça va. C'est faisable. Vous voyez qu'il y a des entrées ici. Alors, déjà, on peut aller ici. Ah ouais, mais merde, ici, ça rejoint ici. Bon, j'ai fait raccourci, en fait, donc tout va bien. Ok. On va se rendre à nouveau là où... qu'il faut maintenant. Voilà, hop,
on y va. Hop là. On fait le petit raccourci. Et ici, nous avons encore un autre fragment jaune. Très très bien. Ok. Et du coup, botte de Pégase à donf. Oui. On a des espèces de statues là. Et là, c'est bloqué. On va leur parler. On peut faire un assemblage qui est obligatoire dans le jeu. Et du coup, on a le choix. Et voilà. Et du coup, en fait, ça compte comme un assemblage normal hein, aussi. Hein. Donc tant mieux, hein, ça nous fait des assemblages en plus. Je sais pas combien on en est, hein. Franchement, je ne sais pas à combien on en est. Ok. Et là, bientôt, on va rentrer dans la deuxième partie de la zone, juste avant le donjon. Et on est parti. Les ruines du vent. Et ouais, là, on est dans les ruines. J'aime bien cette ambiance quand même. Et on récupère un fragment du bonheur. Pourquoi pas? C'est très bien. Ah, et eux. Hop. Aïe. C'est bon. Là, il y a une entrée. Et on retrouve ces ennemis là. Également. Hop là. Bonjour. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les statues de fer qui se trouvent ici. Ce sont des statues mécaniques qu'ils ont offertes aux humains. On peut les mettre en marche ou les arrêter grâce à un levier à l'intérieur. Mais c'est un secret. Ne le répète à personne. Un fragment rouge. Que demande le peuple. Ouais, du coup, c'est assez équilibré. Hein. On a des fragments verts, des fragments rouges. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ah non, non, attendez. J'aurais dû me laisser rétrécir plutôt. Voilà. On est mieux comme ça. Mais la statue en marche. Et du coup, vous voyez, c'est éclairé. On va pouvoir l'activer en s'approchant de lui. Enfin d'elle. Hop, voilà. Et là, on peut passer en faisant le petit raccourci. On continue comme ça. Un petit fragment du bonheur vert. Très très bien. Ça n'arrête plus, hein. C'est assez incroyable, hein, quand même. C'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable. Alors là, c'est simple, il faut juste les tuer. Tout simplement. Alors, vous voyez ici, c'est un haricot, une graine, quoi, qui est plantée. Oh, et ses ennemis sont un peu chiants. Je sais plus si en tuant tous les ennemis, je récupère un truc. Je vais voir quand même. Non, il se passe rien. Non, il n'y a rien. Ok, on continue. Et là, on peut aller ici. Et on va y aller d'ailleurs. Et je crois qu'on peut revenir en arrière. Ouais, en passant ici en fait. Et ouais. Et on peut aller aussi ici également. Voilà. Il y a plusieurs endroits là. Hein. Du coup, je crois que c'est ici qu'il fallait. Ah ouais, bingo, hop. Et ici, il y a un truc à récupérer. Hop, on vient comme ça. Pour encore un quart de cœur. C'est quand même pas mal, hein. Hop. Et mine de rien, on est quand même à 9 cœurs, hein. On sera à 10 cœurs au prochain donjon.
Voilà, très très bien. Ok, on revient là où on était, hein. On en a à 20 minutes, ça va. Ça va, franchement. Je crois qu'on sera au donjon avant les 30 minutes, je dirais. Ce qui est très très bien. On avance bien dans le jeu, on avance bien. Surtout au niveau secondaire, j'ai envie de dire. Je varie un petit peu quête principale et quête secondaire pour que ça soit le plus prenant à regarder. Et j'espère qu'en tout cas que ça vous plaît. Allez, hop. Voilà. Et lui, il se déplace pas. Et donc, pour cela, les amis, préparez-vous. Il faut faire ceci. Enfin, il faut passer comme ça, en fait. On va dans cette statue. Et hop là, elle est éclairée. Et on peut y aller. Hop là. Bon, elle nous fait un petit peu mal. Mais ça va. Aïe. Les ennemis aussi, tu me diras. Hein. Allez, hop. Un petit raccourci. Ouais, on est bientôt... on y est bientôt, hein. Alors. Ah oui. Ah, lui, il veut pas qu'on se rende là où qu'il faut. On va déjà combattre tous les armeaux. Je crois qu'ils s'appellent comme ça en plus, ces ennemis. Ok. Aïe! Voilà, c'est bon. Ça, c'est très bien, par contre. Et là-dedans, 100 rubis! Yes! 50 coquillages surprise. Les coquillages, ouais, il faut en récupérer. On en a 316. C'est pas mal du tout. Faut continuer comme ça pour les coquillages. Plus on en récupérera, moins on en aura à acheter. Eh oui. Ok. Et du coup, on peut passer. Et là, on va s'éclater un petit peu. On va s'éclater un petit peu, pourquoi? On va faire ceci. Eh ouais. Un fragment du bonheur. Et un autre fragment du bonheur. Ça, c'est trop bien. Ouais, on coupe toute l'herbe très vite. On n'a rien coupé, là, cette fois-ci. C'est pas grave. Hop. On tue tout le monde. Et on fait ça à nouveau. Voilà, on est content. Merde. Voilà, wow, la technique de fou. Incroyable. Ok. Attends, hop. Et voilà, on a tué tous les ennemis en fait. Et on peut aller ici. Et il me semble qu'on est bientôt au donjon. Et donc on va pas tarder à s'arrêter là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis comme ça là? Je crois pas. Ok, ben on y est là, ça y est. On y est, c'est juste derrière nous parce que regardez la carte. On est là où qu'il faut en fait. Voilà. Du coup, on s'arrête là pour cet épisode un petit peu plus court, mais qui fait pas de mal non plus, hein. On en fait quand même pas mal de choses. Là, on aura surtout bien avancé dans notre quête principale. J'espère que cet épisode 12 vous aura plu. On se retrouvera pour le 13e épisode. Allez, c'était Linkos. Rendez-vous pour le prochain donjon pour récupérer le prochain élément. Allez, bye tout le monde.